Au prélèvement, comme tous les arbres, on fait une tranchée autour et on essaie de prélever l'arbre, ce qui est compliqué par les racines qui sont verticales. Mais bon, on y arrive à partir, si on a un peu de courage, on y arrive. Alors sur ce prélèvement, le buis a, on peut dire, deux systèmes racinaires, avec un système racinaire en surface de fines radicelles. Ça leur permet de récupérer les eaux de pluie, printemps, été éventuellement s'il pleut. Et un système racinaire très puissant avec des tubes, des gros tubes, qui descendent en profondeur, ce qui lui permet de pouvoir vivre en été. C'est la difficulté du prélèvement parce qu'il faut aller souvent sous la motte à aller couper ces tubes pour le prélever. Mais la reprise est facile grâce à ce système racinaire de surface. C'est un des arbres, je pense, les plus faciles à la reprise. Après, une fois qu'on a ramené cet arbre à la maison, il y a un point important. Le buis va facilement, très facilement, raciner sur les coupes. Ce qui veut dire que lorsque vous amenez le prélèvement à la maison, vous allez le planter peut-être certainement dans une grosse caisse, mais il faut toujours penser au futur pot bonsaï. C'est-à-dire que vos pivots qui sont généralement, si l'arbre est plat, vous avez généralement des pivots qui sont comme ça. S'il est sur la roche, il peut avoir des racines horizontales. Mais systématiquement, pensez au futur pot, ces pivots, il faut écarter le chevelu qui est en surface pour aller les couper au plus près. Parce que à la première végétation, il va mettre des radicelles sur ces pivots. Si vous ne le faites pas, que vous laissez les pivots longs, vous aurez fait du feuillage plus tard et vous reviendrez couper ces pivots. Et là, l'arbre, peut en crever. Moi, ça m'est arrivé de ne pas vouloir rempoter. Le gars, il t'arrive avec une caisse énorme. Il te dit, bon, je veux rempoter. Bon, ok, on va rempoter. Un feuillage pratiquement énorme. Tu grattes. Tu dis, attends, tu as vu tes pivots? Ils font 20 cm. Et tu as vu les radicelles que tu as au bas du pivot? Je dis, non, moi, je ne te coupe pas ça. Ou alors, on coupe la moitié du feuillage. On repart à zéro comme un prélèvement. Et voilà, c'est à ce qu'il faut, penser que ces pivots, il faut absolument les couper au départ. Voilà. Donc, on a fait le tour du prélèvement. Question sur le prélèvement, d'un plus, que je peux avoir oublié. Période, moi, avant le débourrement. Chez moi, le débourrement peut être fin février, donc courant février, ça dépend. D'une année à l'autre, c'est très variable. Et... Mais avant le débourrement. Le dernier, ça va être plutôt mars. Oui. Moi, chez moi, je suis un peu méditerranéen parce que je suis, pour vous situer, bon, je suis assez près de Toulouse, mais je remonte un peu sur, vers l'Aveyron, donc je suis à 500 mètres d'altitude. Le buis, chez moi, il va démarrer très variable. Des fois, fin février, je dis, oh, ça va exploser, il faut le faire. Et puis ça passe 15 jours, 3 semaines, froid, et ça ne bouge pas. Il est assez spécial pour ça, le buis. Tu crois que ça va exploser, et puis il s'arrête. On voit les petits bourgeons qui prennent de la ils sortent, et puis d'un coup, ils ne bougent pas. Enfin, après, quand la feuille, quand le bourgeon s'est ouvert, pour moi, c'est trop tard. Et juste avant, c'est la meilleure période. Après, moi, je suis pas un professionnel. Certains professionnels, peut-être, vont attaquer un peu plus tôt les prélèvements pour pouvoir ils étalent le travail sur une plus longue période. Moi, je sais que personnellement, j'essaie de le faire juste avant le débourrement. Et ce qui est valable pour tous les arbres, je pense. Sur l'automne, je ne suis pas un préleveur d'automne, quel que soit l'arbre, même les buis, je ne suis pas un préleveur d'automne. Étant en altitude, j'ai un climat qui fait que il peut faire froid en automne, et avoir coupé des racines pour garder un arbre 4 mois au froid, je ne pense pas que ce soit un avantage pour lui. Moi, j'aime bien que tu coupes des racines, derrière, ça, il y a puissance du bourgeonnement qui te permet la cicatrisation et de refaire à nouveau des racines. Bon, on a parlé un peu de prélèvement, je pense qu'on a fait le tour des prélèvements.
Si vous avez des questions sur le prélèvement que j'ai oublié. J'aurais une question sur le prélèvement. Oui. Quand est-ce qu'on peut prélever les Yamadori? Je viens de répondre. C'est juste avant que les bourgeons s'ouvrent, ce qui correspond à une période entre le 15 février et le 15 mars. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Après, on a parlé de prélèvement, on va parler de culture, de substrat. Donc, moi, le substrat, je me fous un peu du substrat. Je vous dis, si vous habitez en Auvergne, faites avec la poudre d'eau. Moi, je suis loin de l'Auvergne et je n'ai pas trop de poudre d'eau, donc je vais travailler avec de la pumice. Le buis fonctionne très bien dans les deux. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que avec la pumice, ils préfèrent la granulométrie, la granulométrie, oula, vous m'avez compris, moyenne, c'est-à-dire, je ne sais plus, c'est la 4-6, je crois. Et j'en ai eu mis dans la 7-14 ou 7-12, et là, il n'aime pas, il aime moins. Il aime moins, il a une petite radicelle, il lui faut des petits grains pour se diviser. Est-ce que tu rajoutes de la sphaïne ? Non. Je ne rajoute rien. Je ne rajoute rien. Alors au début, quand on a commencé le bonsaï, on faisait des mélanges impossibles, enfin impossibles. On pensait qu'en mettant un peu de sphaïne, un peu de terre, un peu de pumice, un peu de kadama, un peu de tout, ça me dit, non, c'est pas mieux, pumice pure, et basta, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne et après un engraissement organique, chimique, foliaire, tout ce que vous voulez. Constant tout le temps l'engraissement, toute année, ou tu as des périodes de pause? J'ai des périodes de pause parce que j'y pensais pas. Sinon, non. Pour moi, toute l'année, ça ne sert à rien d'engraisser un bonsaï au chimique s'il fait 30 degrés. Oui. Il est incapable de l'absorber. Mais si vous avez un été où le matin, la température est en dessous de 20 degrés, 25 degrés, l'arbre est capable d'absorber les engrais. Donc, de par ce principe, été comme hiver, si vous êtes dans une température, une fourchette de température 15 25 degrés, vous, hein, même 27, vous pouvez engraisser toute l'année. Ça, il n'y a pas de souci. Après, la période favorable où il faut vraiment booster, c'est au printemps, là, quand il fait les pousses. Là, vous pouvez y aller. Hein. Chimique, organique, et foliaire, et tout ce que vous voulez. L'arbre, oui, prendra. Est-ce qu'on peut utiliser du compost pour les bonsaïs? Non. Le compost est une matière organique qui a été déjà dégradée. Elle serait bonne par ses apports d'oligo-éléments, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'elle va venir nous boucher tout le substrat. Le substrat est composé de petites graines avec des vides qui vont pouvoir être remplacés par de l'oxygène par de l'eau. Et ce compost va venir boucher toutes les petites interstices entre les graines. Donc ce n'est pas conseillé d'amener du compost sur le substrat. C'est aussi le même souci avec les engrais organiques si on ne les met pas dans des sacs ou des chaussettes, de façon à ce qu'ils, en se dégradant, ne viennent pas nous saturer le substrat. Engrais, je voudrais rajouter un peu de truc qui est chiant, j'en aime pas trop ça. Il faut savoir que la plupart des engrais sont assimilables par les plantes à des pH acides. Ah, mais c'est bien. Je n'ai plus rien à dire si vous trouvez tout sur le web. Voilà. Alors,
rassurez-vous, en France, l'eau est alcaline. Nous avons des pH de très facilement 7,4 à 8. Donc, vous allez me dire, les engrais ne sont plus assimilables par les plantes à ces pH-là. Mais rassurez-vous, j'ai fait l'expérience, j'ai du 7,4 à 8 chez moi en flotte, mais elle est très douce. Mesure de pH, c'est 8. Vous rajoutez la dose d'engrais chimique souhaitée, vous reprenez le pH et c'est bon, vous êtes dans les normes. J'ai eu l'expérience, moi je suis à 8 de pH. Ouais. Quand je mets l'engrais, je suis à 6,5, 6,8. Voilà. Ce qui fait que. Mais il faut être conscient que les plantes. L'engrais n'est assimilable qu'à des pH acides. Que dire de plus? Les oligo-éléments sont importants pour le buis aussi. Et il est gourmand en fer. Moi je dis engraisser, engraisser. L'avantage du buis sur d'autres arbres que j'ai, qui sont, on va dire, un peu plus matures ou finis, j'ai tendance à zapper sur l'engrais de printemps pour ne passer que sur l'engrais d'automne qui permet de faire les réserves pour le prochain printemps. Sur le buis, non, j'engraisse. La feuille est petite, donc. Même qu'on la doublerait la feuille, ça passe encore. D'autant plus que moi je fais des grands sujets, donc c'est pas un problème. On n'a pas le problème d'entre-nœuds, d'autres variétés ou de taille de feuille. Donc vous pouvez engraisser le buis, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Toute l'année, quand vous voulez, au max, il vous le rendra bien si vous l'engraissez. Après les engrais, on peut attaquer les maladies. Alors, je ne suis pas très fort en phyto. On a eu cette pyrale qui nous a ennuyé, qui continue encore. Moi, j'ai un buis en expo là. Ah, je ne suis pas content parce qu'il n'est vraiment pas au top de sa forme. J'ai eu une attaque de pyrale là les trois dernières semaines. J'avais des appartements à refaire. J'ai passé deux jours à tirer sur toutes les feuilles bouffées avant l'expo. Maintenant, effectivement, en jardinerie, on ne trouve plus de produits très très efficaces. Il reste un produit là, je ne sais plus comment il s'appelle, Bacillus, je ne sais pas quoi. Bon, il est efficace, mais l'animal t'a bouffé quatre feuilles avant de crever pour faire avec. Les premières attaques de pyrale, j'avais trouvé une solution très 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 efficace. J'avais fait une armature métallique couverte d'un filet et les papillons ne rentraient plus. Et je n'ai jamais été embêté par la pyrale à ce moment-là. Alors que bien souvent, les premières attaques de pyrale, moi j'ai vu les routes chez moi blanches comme s'il avait neigé. J'avais jamais vu autant de papillons morts par terre. Et bon, j'étais parti sur le filet, j'ai pas eu de problème. Et après, on a pensé avoir éradiqué la pyrale parce que dans la nature, il n'y en avait plus. Et bon, j'ai enlevé mes filets. Effectivement, chaque année, j'ai une petite attaque, je traite, mais elle me bouffe des feuilles. C'est beaucoup moins fort, mais bon, on a encore ces attaques, on traite et puis il faut faire avec. La terre de diatomée ? J'ai pas essayé. Pour qu'elle soit efficace, il faudrait que. La chenille passe dessus, est-ce que le papillon pond dans la feuille, si on met la diatomée sur le sol, je sais pas, hein, je pense pas que le papillon pond sur le branchage dans la feuille, la chenille éclos, elle bouffe les feuilles, donc à un moment elle ne rencontrera jamais la poudre de diatomée. Mais bon, il faudra faire avec ça pendant plusieurs années, un peu comme avec le Covid, je crois. Une question, les fleurs, tu fais comment ? Alors les fleurs, à une époque j'enlevais toutes les fleurs. Bon, oui, mais je le fais encore, mais vu l'ampleur de la tâche, le nombre est... Il y a une période... Alors, il y a les fleurs qui se forment, pom, 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 je passe, je l'enlève, il en reste. Et il y a une période où on distingue dans la fleur juste la petite
la petite boule là qui est un genre de triangle là, qui se forme. Et à ce moment-là, elle est beaucoup plus facile à enlever avec l'ongle, clac, 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 et tu n'en as que la moitié à enlever. Après, la fleur qui fleurit par elle-même va tirer beaucoup moins sur l'arbre. C'est le fruit qui va tirer. Et il y a une période où je dis qu'il est facile de faire la différence et d'en enlever que cela. Dans la méthode de culture, il n'y a pas un moyen d'avoir moins de fleurs ? Si. Mais je dis un arbre faible fleurit plus qu'un arbre fort. D'accord. Les faibles fleurissent. Hein. L'exposition. L'exposition, c'est un arbre qui aimerait bien le soleil le matin et l'ombre l'après-midi. C'est un arbre de sous-bois qui est à lisière. Et si on remarque, c'est le premier à mettre les feuilles tant qu'il a le soleil. Et puis quand il a pratiquement fini sa pousse, les arbres, comme il est à lisière, les arbres viennent le couvrir en partie de la journée. Ils vont pouvoir recevoir que du soleil le matin et systématiquement, quand le soleil va devenir haut, les arbres vont commencer à lui faire de l'ombre. Donc, soleil le matin, ombre l'après-midi. On pourrait, je vais dire une connerie, enfin, je ne vais pas dire une connerie, mais je pense que beaucoup me diraient non, ce n'est pas possible. On pourrait peut-être le cultiver totalement à l'ombre. Comme on pourrait le cultiver totalement au soleil. Moi, vu que tu veux que le problème du totalement soleil, c'est que tu aimes beaucoup ça. Eh oui, parce qu'il est affaibli. Il est affaibli, tu peux avoir aussi des feuilles qui virent au rouge, orange. Ouais. Ouais, ça, c'est un trop de soleil. Peut-être un peu carencé en fer aussi. Bon, le soleil a tendance à provoquer les feuilles rouges quand même. Oui. Oui, oui, de toute façon, en Méditerranée, autour de la Méditerranée, ils ont presque tous les feuilles rouges. Ils ont pratiquement les feuilles rouges. Oui. Le froid aussi, je vais en montagne, ils ont des feuilles rouges l'hiver. Oui, peut-être l'hiver aussi. Alors moi, j'ai des gelées qui sont assez importantes jusqu'à moins 20, et je n'ai pas remarqué de problème particulier avec le froid. Pas de système racinaire gelé, enfin pourri par la gelée, pas de problème sur le feuillage. Je crains beaucoup plus la canicule, le chaud avec mes buis que le froid. Alors, le froid, moi j'hiverne pas mes buis. Vraiment, moi quand on descend, quand on me prévoit moins 15, moins 20, je prends mes pots qui sont sur des étagères, je les pose au sol. Et vous prenez un pot qui est complètement congelé au sol, si vous arrivez à le décoller du sol, vous posez la main sous le pot ou sur la terre, elle n'est pas gelée. Il n'y a pas de problème avec le froid. Le trop chaud, il tirera un peu la gueule. J'en ai à début exposé la journée, l'après-midi au soleil. Je m'adapte par un arrosage, j'adapte l'arrosage en conséquence. Mais il y a une préférence sur l'ombre l'après-midi. Vous avez un arbre, un buis en plein soleil toute l'année. Fin d'août, la feuille, vous allez voir les miens, hein, la feuille est d'un vert pas terrible. S'il est à l'ombre, t'as un vert très vert, très, très profond, très, la feuille très luisante, très épaisse. C'est la différence avec cette culture à l'ombre l'après-midi. Mais comme toutes les plantes, le soleil est important, hein, c'est le moteur de la machine de la photosynthèse. Donc, moi je vois le club, quand il vient, je leur dis, bon, l'engrais, le mec qui t'amène le bonsaï, tu poses sur la table, t'as mis de l'engrais? Eh oui, oui, oui. Ah ouais, il y a 4 granules, ben, je prends une table, mais non, mais une grosse poignée. Alors tu sais, et de par ce système, je leur dis, engraisser toute l'année, sachant très bien que... Il sous-engraisse tout le temps. Mais lorsque l'on a des substrats drainants, le surengraissement n'est pas un problème. L'excès, ça passe rien, hein, ça finit par terre. On jette de l'engrais. Hein. Question sur engrais maladie. Petit engrais dans les chaussettes. Oui, chaussettes. Chaussettes, bas. Ça coûte rien sur internet les sachets de thé ou de l'acheteur. Le problème du sachet de thé, c'est qu'il est très peu volumineux.
qui a différentes tailles. Ouais. Ouais. Oui, sûr, certainement. Je sais que je l'ai eu fait et je les ai trouvés un peu petits. Non, parce qu'il y a des 10 cm. Moi, j'ai acheté des 10 cm. Ouais. Si vous arrosez en goutte à goutte, c'est intéressant parce que vous plantez le goutteur. En fait, ça dépend de votre goutteur. Moi. Ah ouais. Oui, moi, parce que moi, j'ai des goutteurs. J'ai le goutteur sur le tuyau primaire et j'ai un tube avec une pique qui m'aime. Et tu mets des goutteurs sur l'arbre, t'en mets qu'un ou t'en mets plusieurs autres? En principe, je suis sur des pots comme ça, je suis au moins à 4 goutteurs. Je lave la motte, je réduis bien mes pivots. Il m'est arrivé de faire du pralinage. Du pralinage, j'ai pas vu de différence. Ouais, je sais plus le mélange, je me rappelle pas. Je l'ai fait une année. J'ai pas vu plus de réussite ou d'avantage. J'ai dit encore cette merdouille, elle va se foutre au fond du pot. C'est pas la peine de continuer. Donc. Mycorhize non plus. Non. Alors, si vous voulez au rempotage faire des mycorhizes. Vous avez un buis à rempoter et vous avez de la pumice neuve. Donc, vous supposez que votre pumice est stérile. Et comment amener les mycorhizes? C'est pas compliqué. Tu le prévois 3 mois avant, ou plus, ou avant la période de prélèvement. Tu as déjà un buis. Ah, oui. Tu as déjà un buis. Tu prends ton sac de mycorhizes, tu le mets debout. Vous allez avoir deux types de prélèvements. Le genre de souche qui, une fois récupéré, les branches sciées, est à poil. Il n'y a plus une feuille. Une fois planté au premier printemps, généralement, tout le tronc se couvre de pousses. La plupart des amateurs disent « bon, ben, on ne touche pas pour assurer la reprise ». Ils n'ont pas tort. Mais moi je dis, si vous ne touchez pas, vos pousses vont faire généralement 4 cm en fin de saison. C'est le maximum qu'elles vont faire. Si sur vos centaines et centaines de pousses, vous faites une première sélection quand les feuilles font. Elles ont fait 4 feuilles. Quand elles ont fait 4 feuilles, vous faites votre sélection. Vous gardez 3 branches. À droite, 3 branches à gauche, 3 branches pour la branche arrière. Et vous gardez le nombre de branches nécessaires à la construction de l'arbre. Ces 3 branches, dans la même saison, vont continuer à pousser jusqu'à 12 feuilles et faire une ramification, 2 ramifications exactement. La branche que vous allez garder, si vous n'avez pas sélectionné les autres, elle s'arrête. Si vous sélectionnez que vous la gardez, elle va continuer à pousser et faire 2 ramifications. J'ai monté, moi, des petits sumos comme ça, qui étaient comme ça. Je les ai montés en 2 ans. Première ramification. L'année après, on retaille au bout. Ça, on remet les branches à plat. Ça rebourgeonne sur les feuilles. 3 ans, vous avez tous les plateaux. Le but est d'une rapidité pour arriver à la maturité. Qui est incroyable, qui est incroyable. Ça, c'est une première taille qui se fait l'année du prélèvement. Après, lorsque l'on taille le buis sur un arbre un peu plus mature, un peu plus avancé, on a taillé à toutes les époques sans voir trop de différence entre les tailles. Souvent, on a été amené à exposer très début mai, c'était juste la fête de la pousse. On a taillé, nous en a pas voulu, ça a bien marché. Il a été préconisé de tailler très tard aussi. Pourquoi pas? De toute façon, si vous voulez faire du bois, ou si vous voulez remettre un arbre à vigueur, il ne faut pas tailler. C'est valable pour tous les arbres. Alors, maintenant, moi, je taille mes buis au mois de juillet. Début juillet, après, ça va dépendre de votre région. Et j'ai remarqué, les buis vont former
les futures fleurs et futurs bourgeons la dernière semaine de juillet chez moi ou la première semaine d'août. Là, on voit les futurs bourgeons. Donc, moi, je taille avant qu'ils les forment. Si tu tailles septembre, il a déjà formé ses bourgeons de l'année prochaine et on vient, donc on lui refait faire le travail une fois de repréparer les bourgeons. C'est pour ça que j'ai tendance à tailler avant qu'ils forment leur bourgeonnement, c'est-à-dire début juillet. Quand ils ont fini la pousse de printemps. La pousse de printemps se termine assez rapidement. Hein. Tu fais quand même la sélection de bourgeons, systématiquement ou pas ? Quand t'es la première pousse de printemps, oui. Si tu as plusieurs bourgeons qui partent de même point, est-ce que tu fais une sélection ? Non. Non, 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 parce que tu n'auras jamais... Sur une coupe, tu n'auras jamais deux branches sur la coupe. Enfin, deux branches sur la coupe. Une branche coupée, tu auras une pousse à la première feuille et une pousse à la seconde feuille. La troisième est généralement trop basse et pas assez de lumière. La ramification à deux se fait presque naturellement. La ramification se fait naturellement. Le buis, il est comme ça, il bourgeonne là. À la mise en forme, la première mise en forme, vous faites ça. Vous faites ça, 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 ça. Le buis bourgeonne partout. Vous avez un buis comme ça, au printemps, vous faites la mise en forme, vous faites ça, vous faites la taille. Ça démarre de partout. Août, vous recoupez. Vous avez un plateau fait la première année. La seconde année, après, tu fais, où tu fais ton plateau, tu laisses les quatre feuilles, et tu considères avoir fini ton plateau, bon, ce qui n'est pas bon. Non, tu reviens partout à deux feuilles. Et les deux feuilles vont te faire deux pouces. C'est comme ça qu'il faudrait monter la ramification. Mais je vous garantis que lui, vous lui faites ça, il bourgeonne pratiquement sur toutes les feuilles. Et là, c'est facile de créer un plateau à partir d'une branche où vous avez mis à plat et vous avez 50 bourgeons. C'est d'une rapidité, le buis, à faire du plateau qui est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions sur la taille ? Donc taille, il supporte les tailles un peu à toutes les époques. Et la taille devrait se faire vers début juillet, ce qui me paraît très être le mieux. Comment ? Fin juin, début juillet, selon les régions. Oui. Oui, il faut adapter les tailles. Mais vous pouvez tailler plus tôt, vous pouvez tailler plus tard, il ne vous en voudra pas. Mais moi, je préconise cette période-là. Question là-dessus, sur la taille, sur... Bourgeonne en arrière, assez facilement. Oui. Il a horreur des espaces vides. Hein. S'il y a un espace vide, crac, il va bourgeonner. Sur le tronc, il a tendance, Oui, après, quand il a de la végétation, il bourgeonne moins. Il y a des points où il va bourgeonner sur le tronc. Tous les ans, il va essayer de refaire le bourgeon. Mais oui, sur les branches, ça revient. Du moment qu'il y a de la lumière qui rentre, c'est le problème du bonsaï, c'est que nos espaces vides, chaque année, il faut revenir et les refaire parce que à la pousse, ça y est, on n'a plus qu'une boule. Hein. Ouais, après, on va aborder le pliage. Le pliage, c'est quand même un bois relativement cassant. C'est un peu compliqué. Je veux dire que le pliage est faisable sur le petit doigt. Après, tout dépend des sujets. Il y a des sujets qui sont très vieux, dont le bois, même petit, est très cassant. Et... Non, je vais y venir. Je vais expliquer les évidages. On peut faire. Je pense que jusqu'au petit doigt, si vous armez bien avec des fils de cuivre pour ne pas créer la rupture, en pliant doucement, on arrive à faire des pliages et
c'est délicat. Après, moi, j'ai appris les pliages du buis en travaillant surtout sur du corbière. Hein, parce que on a eu accès à des arbres fantastiques avec des putains de mouvements incroyables et avec des branches, des mouvements incroyables. Mais cette branche, il fallait la scier parce que ça ne rentrait plus dans le cadre du bonsaï. Oh putain, scier cette branche, c'était un sacrilège. Donc, que faire? Soit je la scie, soit je tente un pliage. Et j'ai commencé les pliages en faisant un genre de goulotte à l'intérieur, passer les cuivres et puis armer, puis plier. Effectivement, on pliait, mais ça ne fonctionne pas du tout parce que vous prenez une goulotte, tu la piques, que font les lèvres elles pètent. Elles pètent et il te reste un millimètre au fond de veine qui peut vivre, donc... tu en rates 9 sur 10. Et la seule solution que j'ai trouvée qui était très 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 efficace, c'était de supprimer la moitié du bois sur une branche, c'est-à-dire la branche, elle est comme ça, vous supprimez hop, la moitié de la branche. Il vous reste un demi-cylindre. Si vous prenez un demi-cylindre et que vous le pliez, on n'a plus les côtés des lèvres qui éclatent et on va avoir tendance sur la partie plate à ce qu'il s'ouvre, il s'aplatisse et à faire une fente longitudinale. Donc, on a encore la veine sur tout le demi-diamètre qui reste vivante. Serré quand même. Évidemment, on va amener un raffia. Je me rappelle, je ne sais pas où, j'ai fait la démo, j'avais amené deux branches, et j'en ai pris une, je l'ai coupée en deux, j'ai posé un fil de ligature, sans rien, sans armature, et j'ai montré, et j'ai plié un truc comme ça, et on est allé jusqu'à la rupture, et on est allé sur un angle incroyable. Ouais, peut-être. C'est le meilleur pliage. Après, vous allez me dire, mais cette branche, elle n'est pas belle. Effectivement, elle n'est pas belle, ce n'est pas valable sur tous les arbres. Dans la mesure où on peut le faire à l'arrière de l'arbre pour ramener une branche, c'est très intéressant. J'ai été amené à le faire sur des branches en tête d'arbre et de les redescendre fortement, donc c'était sur le dessus. Et là, c'était visible. Dans ce cas-là, j'ai pris des petits vis, j'ai planté des petits vis, j'ai planté une armature en ferraille et au scellement chimique, j'ai refait un bois mort avec une allumette. Les parties, les lèvres sont remontées un peu sur mon truc et ça ne se voyait plus. Maquillage. Mais le bonsaï, c'est que du truc. Hein. On met en valeur les atouts et on cache les défauts. Sur les pliages, voilà, oui, le pliage, il n'y a pas 50 solutions. Soit la branche est petite, mais en armant avec un raffia, du fil de cuivre, on arrive à faire certains pliages. Et des branches, de toute façon, tentez le pliage plutôt que de couper. Tentez le pliage. Si vous cassez, vous la couperez après. On a passé le pliage, on a passé le phyto, on a passé un peu la taille. Est-ce que vous avez des questions de plus auxquelles je ne pense pas? Pas de questions. Mon problème, c'était le problème des fleurs, maintenant, je n'ai pas d'autres. Ouais, mais je pense qu'une bonne culture, une très bonne culture... Peut-être des cartes trop ensoleillées. Ouais, je pense. J'ai des arbres aussi qui. Je vois leur exposition et je vois qu'ils ont fleuri. Là, ils préparent les bourgeons à fleurs et on n'avance pas sur un arbre qui fleurit énormément. On n'avance pas. On a même l'impression qu'il s'affaiblit l'arbre. Alors, est-ce que c'est une réponse à dire je vais crever, il faut que je me reproduise? Il y en a qui disent. On a l'avantage aussi avec le buis, de par sa forme qui n'est pas
typique dans la nature. D'une région à l'autre, il peut être buissonnant, il peut être... chez moi, il est même forêt. Chez moi, j'ai des buis qui font 4 mètres de haut et c'est que des fûts qui se touchent, qui font 20 cm. Le sol, c'est que de l'humus. C'est un arbre qui préfère beaucoup d'humidité. S'il est à proximité d'une rivière et d'un substrat très acide, il va prospérer beaucoup plus que sur un terrain calcaire. Et pourtant, ils sont nombreux sur les terrains calcaires, sur certains terrains calcaires, ils se touchent tous, mais ils ne dépassent pas le mètre d'eau. Hein. Oui, avec un terrain très 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 acide. Hein. Non ? Granitique. Granitique. Ouais. Mais après, granitique, ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de calcium, hein. Tu es donc forcément acide et ferrugineux. Ouais. Moi, j'habite dans le Sidobre, c'est le centre du granit. Voilà, mais je sais pas ce que je peux vous rajouter de plus, à moins que vous ayez des questions. Ah, j'ai été rapide aujourd'hui, j'ai fait que 3 quarts d'heure. Voilà, merci François. Mais il n'y a pas de quoi.